à tous, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau plateau de 100% Bénin qui vous amène cette fois-ci dans l'arène du système éducatif béninois. Le 28 septembre, mesdames, messieurs, l'école béninoise ouvrait à nouveau ses portes. Et ce, dans une ambiance pour le moins bon enfant. Une quiétude parcellée, dit-on, vite troublée par une décision relative au quota horaire non négociable accordé désormais aux enseignants pré-insérés du secondaire, couramment appelés aspirants. De 20 heures de cours, mesdames, messieurs, par semaine, et devront en dispenser pour l'année scolaire 2020-2021, 30 heures. De quoi faire dresser les cheveux sur la tête de plus d'un. Même le corps enseignant peine à parler d'une seule et même voix sur cette question. Le gouvernement, lui, reste imperturbable. Une décision à respecter coûte que coûte. Quota de 30 heures aux enseignants aspirants et vague de protestations, vaines, polémiques. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant avec sur ce plateau un enseignant qu'on ne présente plus. Il a nom, monsieur Thierry Devonon. Il est spécialiste de didactique des sciences et secrétaire général du SNAPEC. Alors, monsieur Thierry Devonon a accepté de nous apporter tout son éclairage sur cette question. Monsieur Thierry Devonon, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, c'est moi. Ils ont été nombreux les enseignants réticents, quand bien même c'est un sujet qui les concerne, mesdames, messieurs. Ça dit combien c'est difficile et parfois une question casse-tête, rien qu'à voir des enseignants, non pas que des enseignants, des invités pour parler de questions qui parfois les concernent directement. En face de lui, un homme qui n'est vraiment plus à présenter sur ce plateau, monsieur Louis Assoba, professionnel des médias, l'homme reste très attaché aux questions d'éducation. Il pense que le développement passe forcément par ce secteur. Des articles, il en a consacré. Il en fait aussi son marigot. L'homme s'est vu confier, en tout cas décerner une certaine confiance par les concernés. Il est le responsable chargé de la communication et de l'information des enseignants pré-insérés du Bénin. Il est donc au fait du sujet. Monsieur Louis Assoba, bonjour. Bonjour Joël, bonjour le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour au doyen qui est en face de moi. Et vous répondre à leur façon, bonjour. Franchement, merci aussi pour la disponibilité. C'est moi. Mesdames, messieurs, les enseignants, notamment les aspirants, bon gré, mal gré, devront désormais faire face à une situation qui pour eux sort de l'entendement. Du contrat qui les lierait aux autorités, 20 heures. À observer 20 heures de travail par semaine, ils devront désormais passer à 30 heures. Ça, sans discussion aucune. En tout cas, à les en croire, c'est une décision qui ressemble beaucoup plus à de l'arbitraire. Et depuis, ça donne de la voix. Il n'y a pas que, vous avez sans doute suivi bon nombre d'acteurs à abonder dans ce même sens. Mais pour mieux comprendre le sujet, nous allons nous retourner d'abord vers le chargé à la communication pour nous expliquer ce dont il est question avant qu'on ne se retourne vers l'enseignant d'une expérience certaine au niveau du système éducatif. Oui, monsieur Louis Assoba, ouais. De quoi s'agit-il si on doit présenter et planter les décors pour nos téléspectateurs? Merci Joël. Bien avant de parler de ça, il va falloir quand même faire une petite genèse de celui qu'on appelle aujourd'hui aspirant. Vous savez, le gouvernement a ce souci d'améliorer le système éducatif béninois. Et depuis quelques années, il essaie quand même d'apporter des réformes. L'une des dernières réformes concerne les enseignants autrefois qu'on appelait vacataires, qui parcourait de collège en collège. Et ce gouvernement a trouvé l'idée géniale de sédentariser ces enseignants qui sont devenus aujourd'hui pré-insérés ou aspirants. Par quelle manière? En leur soumettant à un test, ce qu'ils ont fait l'année passée. Et ces enseignants ont été déployés sur le terrain. Alors, on en est là. J'avoue que pour la première année d'expérience, ça n'a pas été du tout ce qu'on devrait espérer. Je veux parler de la condition de travail, de la condition de vie de ces pré-insérés-là. Des collègues qui ont composé à Cotonou, qui du jour au lendemain, à l'intervalle de 3 jours, se sont retrouvés à Parakou, à Natitengou, dans le Nord profond, pour aller enseigner.
Et malgré tout ça, j'avoue que les trois premiers mois ont été difficiles pour ces enseignants-là, parce que n'ayant pas perçu en réalité leur salaire. Il n'y avait pas eu des mesures d'accompagnement. On n'a pas noté des mesures d'accompagnement. C'est ça. Et donc, tout au long de l'année, il y a des discriminations, il y en a beaucoup de choses. Le contrat a été de 9 mois, ce que le gouvernement a respecté. Et à un moment donné, quand cette histoire est venue, je vais parler du Covid-19, on est allé jusqu'en juillet. Et le gouvernement a payé le mois de juillet. Et donc, ces enseignants se sont retrouvés pour le mois d'août et pour le mois de septembre sans salaire. Et donc, ils devraient commencer l'école. Et bien avant, ces enseignants se sont constitués en un collectif pour plaider auprès de l'autorité, pour en quelque sorte essayer d'avoir certaines améliorations sur leurs conditions de vie et de travail. Ce qui a été fait, on a interpellé quand même, on est allé voir les diverses autorités dans ce secteur pour essayer de voir dans quelle mesure, pour cette année, puisque l'année passée, c'est 9 mois, ils sont restés pendant les vacances sans salaire, pour cette année, de faire en sorte que le salaire soit quand même 12 mois sur 12 et de revoir en quelque sorte, le salaire. On en était là. Voir le salaire. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les mois pris en compte, qu'on puisse aller à 12 sur 12. Okay. Parce que ils ont eu gain de cause, c'est ça? Non, pas du tout. On en était là. On était en train de discuter de ça. Okay. Quand l'autorité a décidé à ce que cette année, ces aspirants soient reconduits à leur poste. Ok. En résumé, avant d'évoluer, pour nos téléspectateurs, pour faire un peu court, vous l'avez dit, que l'expérience de ces enseignants n'a pas été sans difficulté. Oui, tout à fait. Et à l'arrivée, le soir aujourd'hui, au regard des difficultés, c'est qu'au lieu de les payer 9 mois, qui n'aura pas forcément été respecté à cause de Covid, oui, que pour l'année scolaire qui vient de démarrer, qu'on puisse prendre en compte les 12 mois. Les 12 mois. Et qu'on améliore leurs conditions de vie. Tout à fait. Des sujets en débat. En débat. Alors que le débat est en cours. Le débat est en cours. Il y a une décision qui est sortie, c'est cela? Il y a une décision qui est sortie. La décision, on ne sait pas ce qui s'est passé en réalité. On a découvert les choses sur les réseaux sociaux. Ah bon? Déjà, le samedi, on a découvert que désormais, l'aspirant doit exécuter 30 heures. Nous, on attendait une note officielle venant de l'autorité pour essayer de voir dans quelle mesure cette décision serait quand même applicable. On en était là quand le lundi, déjà, il y a certains directeurs d'établissements qui, je ne sais pas si c'est de façon provisoire, ont fait sortir des listes pour signifier que cette catégorie, par exemple, d'aspirants, eux, ils n'auront plus droit à ces quotas de 30 heures, synonyme de remerciement, d'aller à la maison tranquillement. Cela voudra dire quoi? Je donne un exemple palpable à Cotonou ici, où, sans qu'on ait une décision officielle, le directeur a fait sortir une liste de 33 aspirants qui ne seront plus utilisables pour l'année scolaire 2020-2021. Ils resteront à la maison. Alors, on s'est dit, si tel est le cas, si on parle de 30 heures, et que dans un établissement déjà, on renvoie 33 aspirants, cela voudra dire c'est un tiers de tous les aspirants du Bénin. Si la décision s'appliquait à tous les collèges du Bénin, c'est un tiers des aspirants du Bénin qu'on va renvoyer. Cela voudra dire environ 7000 enseignants qui avaient travaillé l'année passée pouvaient se retrouver cette année au chômage. On ira graduellement, vous permettez, pour nos téléspectateurs. Alors, les 30 heures, c'est ça qui fait d'abord polémique. Tout Pourquoi à fait. Ça fait polémique? Ça fait polémique dans un premier temps parce que ça ne permet pas à tous ceux-là qui, l'année passée, ont pu trouver d'heures à exécuter dans les établissements, de retrouver encore leur poste cette année. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, attribuer 30 heures à un professeur dans un établissement, j'avoue que c'est énorme. Énorme parce qu'un professeur qui exécute 30 heures de cours dans un établissement, je donne un exemple palpable, cela voudra dire, si c'est par exemple, il est un professeur de français, on devrait lui attribuer 5 classes. Et quand on va lui attribuer 5 classes, si nous prenons l'exemple de 50 élèves par classe, cela voudra dire, puisque un professeur de français devrait interroger l'élève en communication écrite et en lecture. Et donc, si on lui attribue 5 classes aujourd'hui pour exécuter les 30 heures,
il va corriger 500 copies. Quand on va faire un seul devoir, il va corriger 500 copies en une semaine avant de rendre les copies. Voilà en réalité les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement à l'heure où nous parlons. Ok. Merci de planter ici le décor, Monsieur Thierry Devonneau. Alors, on a entendu beaucoup de versions, on a eu pas mal de réactions sur cette question de 30 heures. C'est quoi le regard du professionnel du milieu, d'abord? Merci beaucoup et je vous remercie pour m'avoir invité ici. Et je dis aux téléspectateurs et aux aspirants et aux enseignants en général, bonne rentrée à tout le monde. Moi, j'ai commencé ma rentrée depuis le lundi dernier. J'ai fait cours dans mes classes, normalement. J'ai pris mes heures. Alors, lorsque je suis vraiment heureux que mon ami Assogba ait commencé par faire l'historique de l'aspirana. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il est en train de se mettre dans le cadrage des 5 points qu'il faut avoir pour convaincre un gouvernement. Et nous devons savoir que le gouvernement ou le président de la République est la seule personne qui décide de la politique de l'éducation dans le pays. Que ça soit la seule personne, que ça soit et gouvernement du Talon, que ça soit de Soglo ou de Chola, puisque l'aspirana a commencé au temps de Soglo, justement. Donc, il faut connaître l'histoire lié à ce type de personnel. Et l'histoire ne commence pas au temps de président Talon. Ça commence au temps du président Soglo. Et deuxièmement, il faut connaître la philosophie qui se cache derrière ce type de personnel. Il ne l'a pas dit totalement tout à l'heure, mais je vais vous le dire, la philosophie. La philosophie, c'est quoi? En réalité, pendant 60 ans, notre pays a démissionné devant l'éducation. Et tout juste après et 90, on a constaté que nous n'avons plus de personnel enseignant. On envoyait n'importe qui en classe dans le temps et chacun faisait ce qu'il pouvait. Alors, ils ont dit, réorganiser ça autrement. Et on a commencé petitement au temps de Soglo et au temps de Kérékou 1 avec CEPEC, donc les préinsérés de CEPEC. Moi, j'ai été préinséré pendant 3 ans, 3 années scolaires. Donc, ce qu'on dit, ce n'est pas nouveau. Et la philosophie, c'est de pallier au manque d'enseignants que nous avons. Mais chaque président avait sa philosophie aussi. Non seulement le président Talon veut pallier, être dans la même ligne que ses prédécesseurs, mais il y a une différence entre lui et les autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et la différence est à quel niveau? Mais vous allez voir que dans tout ce qu'il entreprend, il y tient. Et au prix même d'écraser. Et il veut qu'on respecte. Nous sommes des enseignants. C'est ce que j'ai dit d'office aux jeunes, hier, avant-hier, allez prendre d'abord les heures et on va négocier. Parce que quand vous comprenez l'histoire et la philosophie, mais nous-mêmes, on a été préinsérés. Qui va prendre l'heure, qui ne va pas prendre? On sait. Non, c'est un autre problème que vous posez là. Ce qui est sûr, que vous ne prenez pas, il y aura toujours des gens qui vont rester à la maison. On est d'accord? Il y aura des gens qui vont rester à la maison. La question... Vous prenez que tous ceux qui sont dans la base de données, un instant, ne défions pas le débat. Parce que le débat n'est pas... L'autorité t'a dit, va prendre des heures, point, d'abord. Exécution avant réclamation, sinon on va relire le code soleil. Alors, un instant. Sinon on va relire le code soleil qui régit le monde enseignant. Ne vous emportez pas. Un instant. Le problème. Sinon, il faut se cultiver pour faire un débat de bon niveau. Donc, deuxième point, après la philosophie, il y a la stratégie. On a compris maintenant qu'il y a une philosophie derrière l'aspirana. Mais quelle stratégie? Puisque moi-même, personnellement, j'ai fait partie de cette histoire. L'année passée, l'histoire de 30 heures a commencé. L'année passée, à la rentrée passée. Et il y a 2 jeunes enseignants. Et c'est ça, il faut faire attention. 2 jeunes enseignants, je peux appeler leur nom, M. Kodjo Romain et M. Comlan Fréjus. Ils ont pris jusqu'à 28 heures des professeurs certifiés de français avec un master en
lettres modernes, donc des poisseurs rares, qu'on ne trouve pas comme ça. Et quand on a commencé pour dire 30 heures, moi, j'étais frustré, j'étais un peu indigné pour dire, mais ces jeux-là ont quelle expérience pour qu'on puisse leur dire de prendre ça? Et je continue toujours d'être indigné. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la même indignation. Puis moi, je me suis engagé. Je me suis engagé fortement. Et les jeunes ont refusé. Comme ils sont dans mon giron, tout de suite, ils ont reçu chacun deux demandes d'explication. Les deux jeunes en titulaire de master. Titulaire de master. Okay. De français. Le Bénin n'en a pas beaucoup. Aujourd'hui, quand vous voulez les lettres modernistes, vous voulez en avoir, je prends la Takora. Il n'y a que deux dans la Takora. Il n'y a que deux, entre eux pour tout. Donc, on en a besoin. Mais donc, eux, ils ont refusé de prendre 28 heures. Parce que comme on a fait les calculs, on a vu que s'ils prennent au-delà de 28 heures, ils auront 500 copies à corriger par devoir et par échelon là. Mais par interrogation. Non, attendez d'abord, s'il vous plaît, monsieur. On ira pour rester dans cette fois, je dis. Aujourd'hui, la question que beaucoup se posent, c'est le nœud de cette indignation. Et la question, c'est justement autour de cette 30 heures. Les voix qui s'élèvent disent que ça fait tout. Laissez les voix qui s'élèvent, il y en a qui utilisent ça pour faire élection professionnelle. Parce que quand nous sommes dans l'histoire, je suis déjà dans l'histoire. Mais le problème n'est pas. Un instant, je suis déjà dans l'histoire, dans la stratégie. Moi, je me suis engagé. Donc, on leur a donné des demandes d'explication, ce qui est normal. Ensuite, on les a suspendus, radiés. Les deux en question. Les deux. Qui a pu les nourrir? Qui a pu les nourrir? Même vous qui êtes porte, vous avez parlé de ça? Donc, vous voulez dire il a suffi que moi j'en parle. Oui. Il a suffi que j'en parle et en un mois j'ai reçu 4 mutations. Et c'est mis sur le titre de mutation, incitation des jeunes à la révolte et à la rébellion. Thierry Tovanon, vous voulez dire qu'il ne doit pas y avoir d'indignation? Non, s'il te plaît. Donc, le fait que les jeunes, et encore que ce n'est pas moi qui leur dis de refuser, parce que je ne leur dirai jamais de refuser. Donc, parce que quand l'autorité, il y a des indignations factices et il y a des indignations vraiment régulières. Mon indignation, c'est régulière. Mais là où je m'indique qu'on les jeunes, c'est de refuser d'aller prendre les heures. Pour vous? Parce que quand l'autorité dit. L'indignation qui s'observe actuellement, elle est légitime. Non. Mais tout le monde. Il y en a qui sont indignés parce qu'ils veulent de l'électorat. Puis les élections professionnelles sont là. Ils sont indignés parce que, la preuve, ils ont fait des rencontres avec le gouvernement. Mais est-ce qu'ils se sont indignés jusqu'à sortir de la salle? Vous faites allusion à quoi ça? Non, moi je fais allusion à rien. Ceux qui savent le savent. Parce qu'il faut s'indigner jusqu'à faire ça. Monsieur Louis Assoba, vous permettez. Je n'avais pas fini. Vous avez une minute. Et votre vis-à-vis avait beaucoup. D'accord. Donc. Parce que vous en avez tellement donné. Maintenant, donc, après. La stratégie, il faut formuler des hypothèses par rapport à la situation. Et il en a formulé une tout à l'heure. Alors, je prends les heures. Quand je prends les heures, qu'est-ce que vous me proposez en compensation? Augmentation de salaire. Mais les autres qui vont rester à la maison, qu'est-ce que vous leur proposez? Voilà les hypothèses. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on ne dit pas... Parce que les autres vont rester à la maison, je vais désobéir. Merci. Monsieur Louis Assoba, monsieur Thierry Tovanon a été, on ne peut plus clair. Pour lui, l'idéal à faire face à ces indignations qu'il qualifie de plusieurs couleurs, de deux, il y a des indignations factices, il y en a qui sont fondées. Alors, quoi qu'il en soit, il y a indignation. Et pour lui, l'essentiel aurait été, vous qui êtes chargé à la communication, que les indignés aujourd'hui puissent prendre les heures et aillent au travail. Monsieur Joël, j'avoue que après les différents propos de mon doyen, je suis frustré. Et oui, parce que je me dis un doyen que tout le monde considère, qui devrait essayer de défendre les intérêts de la jeune génération que lui-même il a formé, il a été mon professeur, que lui-même il a formé, j'ai l'impression qu'il a laissé le débat de côté. En train de parler de élections professionnelles et autres, je crois que le débat n'est pas là. Le débat, c'est quoi? Actuellement, les enseignants,
du Bénin, qu'on appelle préinsérés, qui sont allés à l'université, qui sont allés se faire former, qui sont allés dans les écoles normales et qui ont des diplômes, qui étaient des vacataires, que vous avez désormais pris en charge en leur soumettant des tests. Ils sont admis, ils sont allés sur le terrain, ils ont travaillé pendant un an, ils sont restés à la maison. Et l'autorité même dit, désormais, ils sont reconduits en attendant de nouveaux contrats. Et automatiquement, une décision sort. Une décision où on ne maîtrise même pas, on n'a pas eu même la version officielle, disant désormais, il faut avoir 30 heures. Donc pas de contact avec l'autorité. Pas de contact avec l'autorité. Même pas avec les structures décentralisées. Je dis même pas avec les structures décentralisées. Et le lendemain, automatiquement, des directeurs se lèvent pour écarter certains enseignants, pour dire ceux-là, sur quels critères, on ne sait pas. Je vous ai dit tout à l'heure, dans un collège ici à Cotonou, plus de 33 aspirants ont été listés. Et c'est écrit en haut, aspirants non utilisés. Je me demande, mais c'est sur quels critères on a renvoyé ceux-là. C'est la question dont il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'obéir ou de ne pas obéir. Actuellement, sur quels critères ils ont choisi ceux-là? C'est là la véritable question. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Même si on demande aujourd'hui d'aller prendre les 30 heures. Monsieur Joël, le gouvernement a constitué une base de données. Et je vous assure, à l'instant où je suis en train de parler, il y a encore des gens qui sont admis pour le test, mais qui sont actuellement en attente dans la base de données, qui ne sont pas encore utilisés. Au même moment, ce gouvernement a encore, cette année, organisé un autre test où les résultats sont déjà sortis. Et ceux-là aussi sont en attente d'être déployés sur le terrain. Vous voulez dire que si en matière, si c'est pour parler de main-d'œuvre, il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Pour ne pas choisir quelques-uns. Pour ne pas choisir quelques-uns. 30 heures. Pour aller faire 30 heures. Est-ce que vous voyez, dans ce contexte, comment se fait-il que quelqu'un qui devrait avoir 22 heures pour permettre à l'autre qui est admis, qui est en attente, de venir peut-être aussi prendre des heures pour exécuter, pour nourrir sa famille. Comment se fait-il qu'on va charger celui-là qui est sur le terrain de 30 heures pour aller exécuter, en laissant de côté celui-là qui est dans la base de données, ou bien celui-là qui est admis, qui a été formé de ses propres frais et qui est allé passer le test que le gouvernement même a organisé. Mais c'est comme si le gouvernement a organisé un test avec des frais, mais qui aujourd'hui est incapable d'utiliser ceux-là comme main d'œuvre pour aller sur le terrain. C'est une question qui mérite d'être posée vêtement et ça mérite réponse. Mais on entend d'y revenir. La question de 30 heures, monsieur Donald Pébétra, parce qu'il a eu beaucoup de temps de parole. Oui, la question de 30 heures, on en a entendu dire que pour l'efficacité, voilà, dans le rendement, qu'il peut y avoir des couacs. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Tout à l'heure, je vous ai parlé de 500 copies. Oui. Que lorsque vous prenez, par exemple, le cours primaire, l'instituteur est à 24 heures. Et il a une classe. Ça peut être CI, CP, etc. Mais la différence entre l'instituteur et l'enseignant au collège, c'est quoi? Celui qui est au collège a plusieurs promotions. C'est-à-dire quoi? Pour un professeur de français à qui on va donner 30 heures, cette année, il peut se retrouver avec une classe de 6e, une classe de 5e, une classe de 4e et deux classes de 3e. C'est ça. 30 heures à exécuter dans une semaine. Il doit aller à la maison, préparer les fiches. Il a 500 copies après les devoirs. Il doit corriger ces 500 copies en une semaine. Alors que, monsieur Joël, dans le même temps, lorsque vous arrivez à la correction de BEPC, il faut 4 jours environ, pour corriger environ 150 copies. Voilà la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on va donner 30 heures à un professeur, dans le souci de vite corriger les copies, est-ce qu'il va vouloir faire une interrogation digne de ce nom à ses élèves pour vraiment corriger vite les copies? C'est là où se pose la question. L'autre chose, il a une 6e, 5e, 4e, 2e, 3e, par exemple. Comment il peut se retrouver
être efficace devant tous ses élèves de 50, plus de 50 chaque classe, durant une semaine, en allant préparer les fiches et en revenant le lendemain. C'est là tout le drame. Et à vouloir vraiment imposer ça, je vous assure, M. Joël, à la fin de l'année, vous aurez les résultats. Parce que quand l'enseignant n'est pas performant, il ne peut pas donner un bon rendement. Mais monsieur Thierry Davanou, il suit ces questions-là. Est-ce que non, bon, ce n'est pas pertinent, ces interrogations? Non, ce n'est pas du tout pertinent. Ce n'est pas du tout pertinent. Parce qu'ils n'ont pas perçu la philosophie. Il y a la philosophie. Qu'est-ce que vous mettez dans la philosophie? Tout à l'heure, il a dit qu'il ne semble pas me reconnaître. On a fait un débat ici sur évaluation. Qui a eu raison? C'est moi. Alors, puisque... Et dans ce qu'il a dit, il a fait un peu de mélange. Non, de quoi il s'agit aujourd'hui? Commençons pas la question. Il s'agit, on dit, allez prendre des heures. Non, allez prendre 20 et 30 heures. Et vous dites, je ne prends pas parce que. Mais vous croyez que je peux vous défendre? Je ne peux pas vous défendre. Parce que je défends des disciplinés. Moi, je défends des disciplinés. Je ne défends pas des indisciplinés. Parce que l'autorité vous a dit, allez prendre des heures. Prenez et envoyez vos grands frères. C'est ça que je parle de la stratégie. Mais jusque-là, vous ne vous êtes pas prononcé sur comment on peut prendre. J'ai dit, dans un on va voir le reliquat. Monsieur Devonou, est-ce que vous pouvez vous prononcer sur la question selon laquelle, dans un établissement, on dit, sur n'importe quel critère, on ne connaît pas le critère. On prend par exemple, il s'agit de 100 aspirants dans cet établissement. Oui. Et on maintient pratiquement 60 et on laisse 40 de côté. Je vous dis, sur quels critères ces 40-là ont été laissés de côté? Alors, il y a des questions qu'on ne pose pas à l'autorité. On est d'accord. Si vous avez reçu votre législation correctement, vous avez une bonne formation, il y a des questions qu'on ne pose pas. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit exécution avant réclamation. Oh, il vous dit, c'est aussi dit, comme ça? Oui, c'est ce que je lui ai dit de lire le Code Soleil. Et lui-même, moi, un peu. On me dit d'aller prendre 60 heures tout à l'heure, j'irai prendre. Non, parce c'est pas évident. S'il te plaît, c'est mis noir sur blanc. C'est mis noir sur blanc. Le refus d'obtempérer. Moi, je vais recevoir ce que je vais recevoir. Mais quand c'est contractuel de l'État, refus d'obtempérer, c'est radiation. Pour moi, c'est pas radiation, mais avertissement. On est d'accord. Les règles sont là. Mais pour vous, je vais me rire par rapport à pour vous. Pourquoi vous allez rire? Ben oui, justement. Parce qu'ils n'ont encore ni tête ni pied. On est d'accord. Ah bon? Oui, pour le moment. C'est vous qui. Et quand nous allons entrer dans la législation, j'ai dit tout à l'heure, il faut voir l'histoire. Dans l'histoire, nous, on a fait précession, on a fait 6 mois. 6 mois renouvelables chaque 6 mois. Et sans statut juridique. Et lorsque nous voulons combattre ça là en 2016, en 96, c'est à partir des statuts juridiques qu'on a battu le gouvernement pour dire. On n'a pas de statut juridique, alors faites nos concours et nous on va passer. Mais on faisait d'abord les cours. Parce qu'on ne voulait pas rester à la maison. On faisait les cours. Donc il a posé un cas parmi tant d'autres pour dire, si on prend les heures, on va avoir des gens qui seront encore et délaissés. Mais prenez d'abord les heures. Est-ce que vous allez prendre les heures et on va voir que le cas... Ne prenez pas votre projection pour dire que le cas va rester à la maison et nous ne prenons pas les heures. Non. Vous prenez d'abord les heures. Et nous, on va voir le gouvernement dire, ah, vous avez vu, ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés, ils ont pris les heures. Et ceux-là qui sont à la maison, vous reviendront. Un instant. Monsieur le président de la République, ils sont disciplinés. Ils vous ont écouté. Vous êtes le père de la nation, ils vous ont écouté. C'est ça qu'il appelle stratégie. Maintenant, là, regardez tout le beau monde que vous avez laissé. Le cas est resté à la maison. Mais si on diminuait 6 heures, ou 7 heures, 7 heures, est-ce que les autres n'ont pas des heures? C'est comme ça en fait. Mais se braquer directement contre l'autorité pour dire nous n'irons pas prendre, parce qu'il y aura des gens à la maison. Mais vous faites fausse route, et moi en tant que votre papa, puisque il y en a qui ont 25 ans parmi vous, moi en tant que, je vous dis, vous faites fausse route. Et en tant qu'un vieux routier du système éducatif du Bénin, un connaisseur du système, je dis, vous faites fausse route. Votre réaction par rapport donc, à pour la... moi, Monsieur Thierry Davanou, je sais que 30 ans, c'est trop. On est d'accord. Mais encore, il faut aller prendre d'abord pour que nous, on puisse avoir la bouche. Pourquoi les centrales, quand ils sont partis, on leur a parlé, ils se sont tués? Ils savent pourquoi ils se sont tués? Les gens savent pourquoi ils se sont tués? On est d'accord.
On ne peut pas décider dans une école normale, dans une école de la République, pour dire, allez prendre, et l'enseignant refuse. Or, la première chose à voir dans une école, c'est la discipline. Vous monopolisez trop la parole. En parenthèse, moi par exemple, quand on voulait m'affecter quatre fois, quand je défendais les aspirants, puis je les ai défendus. Vous avez défendu, aspirants. Vous n'avez pas défendu les 17 000 aspirants. Tu n'as pas été radié. Eux, ils ont été radiés. Vous n'avez pas défendu les 17 000 aspirants. Les 17 000 ne se sont pas levés derrière eux. Les 17 000 ne se sont pas levés derrière eux. Monsieur Thierry, si vous permettez. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit. Je vous donne la parole. Non, un instant. On a dit. À le 19. Le 19 novembre. Non, décembre. 2019, à 10h, m'a mité. Déjà, à 15h, j'ai pris service. Même si je suis un jeune national. Modèle de ils l'ont fait en Corse, et le 6, à 9h, à 10h, j'ai pris service. Mais quand j'ai fait mes recours, les institutions, les deux institutions, et l'une se trouve au palais et l'autre se trouve quelque part à côté ici. Ils ont dit, monsieur Davalo, ce que vous avez sauvé, c'est que vous avez pris service. Ça, merci beaucoup. Oui, la question de respecter l'autorité. La question de la discipline de l'autorité, monsieur Thierry Davalo, il tient beaucoup. Alors, est-ce que les assurants n'auraient mieux pas fait que de suivre l'appel? La meilleure catégorie au niveau des enseignants qui respectent aujourd'hui plus l'autorité, ce sont les aspirants. Les meilleurs qui respectent tout, qui malgré leurs conditions de vie et de travail respectent l'autorité, ce sont les enseignants. Vous savez pourquoi? Parce que les aspirants, permettez. Vous savez pourquoi? Je prends le cas de cette année. L'année passée, ces aspirants ont signé un contrat de 9 mois. Oui. Ce contrat est arrivé à terme. Cette année, ces aspirants n'ont même pas vu le visage du nouveau contrat. Et pourtant, ils sont allés dans les collèges pour prendre les emplois. Comment on peut encore respecter l'autorité? Ils n'ont pas vu le visage. Ils sont sortis de 2 mois sans salaire. Mais ils sont les premiers à aller dans les collèges aujourd'hui pour aller travailler. Pour ceux-là à qui on a donné 22 heures, aujourd'hui, ils sont allés, ils travaillent actuellement. Mais ils n'ont pas encore eu le contrat. Ce que nous refusons, c'est quoi? Ce que nous n'admettons pas, c'est quoi? C'est le fait qu'on se lève sans une note officielle et on écarte des gens sans qu'on ne maîtrise sur quels critères on a écarté X, on a laissé Y. Parce que la veille déjà, quand on a parlé de cette histoire de 30 heures, il y a des aspirants déjà qui ont commencé par appeler des directeurs pour négocier des heures. Je dis bien des aspirants péreux en griffe, qui ont commencé par négocier des heures. Cela voudra dire quoi? Désormais, l'autorité au niveau de l'administration, au niveau du collège, peut décider qui peut enseigner et qui peut renvoyer. C'est là toute la question. Et nous respectons toujours l'autorité qui a signé un papier. Je vais vous lire le dernier arrêté du ministre de l'enseignement secondaire qui régit le quota que nous devrons respecter dans les collèges. Et cet arrêté en son article 3 dit ceci: la charge hebdomadaire des aspirants au métier d'enseignant de l'enseignement secondaire général technique professionnel se présente comme suit. Professeur certifié, élève professeur certifié, 20 heures par semaine y compris 2 heures d'animation pédagogique. Je continue. Professeur adjoint, élève, professeur adjoint. 22 heures par semaine, y compris 2 heures d'AP. Instituteur, élève, instituteur, 24 heures. C'est l'arrêté que l'autorité a rendu public en 2019 quand on a commencé cette histoire d'aspirant. Aujourd'hui, il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Il n'y a rien. Et quand on a appris ça, le lendemain, on a constaté qu'il y a des directeurs qui ont déjà anticipé. En renvoyant, en mettant de côté, de façon provisoire, à partir de ce moment, nous avons commencé par réagir, ce qui est normal. Et l'autre chose que je voudrais dire, parce que le temps s'en va, c'est qu'en dehors des 30 heures, on est en train de parler de bivalence. Ouais. Ça voudra dire quoi?
Monsieur Joël, ça voudra dire quoi? Un professeur de français, aujourd'hui, s'il est 30 heures, il n'a pas le quota de 30 heures dans son établissement, il peut aller, il peut prendre des heures dans une autre matière. Alors que cette histoire de bivalence a été évoquée aux dernières journées pédagogiques. Lesquelles journées pédagogiques n'ont pas vu associer ces aspirants. C'est-à-dire quoi? Ces aspirants n'ont pas été associés à ces journées pédagogiques dont on a parlé de bivalence. Mais aujourd'hui, on dit à l'aspirant, si les 30 heures ne sont pas suffisantes, il peut aller chercher dans une autre matière. Par exemple, ils ont associé les matières où le professeur d'SVT, le doyen est en face de moi, il est un professeur d'SVT. Ça veut dire que s'il est aspirant, il peut aller enseigner les PCT, il peut aller enseigner les maths. Au même moment, des gens sont dans la base de données et sont en attente d'être déployés. Moi, je voudrais dire en face à M. Dovonou, qui a été mon professeur, si, avec cette histoire de bivalence, s'il a des enfants à la maison, qu'il peut-être il veut, n'est-ce pas, cadrer, il veut envoyer des gens pour cadrer ses enfants à la maison, je veux parler des professeurs. Est-ce qu'un professeur de français peut venir cadrer, encadrer son enfant en anglais à la maison? Est-ce qu'un professeur d'SVT peut accepter venir encadrer son enfant à la maison en mathématiques? C'est là toute la question. Et pour finir, on parle des privés. Parmi ces autorités qui veulent prendre des décisions, cette décision de bivalence, il y en a qui ont des collèges privés. J'aimerais demander, est-ce que dans un collège privé aujourd'hui, une autorité qui est pour cette histoire de 30 heures et de bivalence peut accepter donner 30 heures à un professeur dans un collège privé? Est-ce qu'il peut accepter à ce qu'un professeur qui est venu déposer, par exemple, son dossier, qui a étudié en lettres modernes, est-ce qu'il peut accepter et peut dire à ce professeur non? En dehors des heures de français que je vais te donner, tu vas encore enseigner les enfants en anglais. Je crois que ça serait impossible. Assez de questions, j'aimerais en poser une à M. Thierry Dornon, vous ferez l'effort d'y répondre. La pertinence de la mesure, comment l'enseignant l'apprécie-t-il? Vous savez, lorsque j'ai fait correctement la législation scolaire, et je sais que, et je me suis encore auto-formé en lisant beaucoup, nous sommes comme des prêtres. Avec comme, les Bible, avec comme Bible, le savoir. Et avec comme l'autorité, autorité, le pape. Quand le pape dit, vas-y, je ne négocie pas. J'y vais d'abord. C'est ça le code soleil a dit. Et si tant qu'il a été vraiment mon élève, il doit savoir que j'apprends à mes élèves. Le respect de l'autorité d'abord. J'ai appris de vous. Le respect de l'autorité d'abord. Parce que oui, lorsque... Votre élève dit qu'il vous reconnaît. Par exemple, moi, dans leur discours, je ne ferai pas des insinuations comme quoi certaines écoles privées. On sait qu'il y a école privée. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je vais te répondre. Non, allez-y. On n'a que 5 minutes. Je vais te répondre. La pertinence de la mesure. Comme quoi des gens. Ça, on a compris. La pertinence de la mesure, elle-même. Je ne discute pas de la mesure. Monsieur le journaliste, oui. Un enseignant qui est dans une situation telle qu'ils sont aujourd'hui ne discute pas de la pertinence avec l'autorité. Pourquoi? Il prend service et ses représentants vont aller discuter de la pertinence. Alors, parlant des représentants, il y a un représentant... Il dit, par exemple, oui. Il dit qu'il y a un arrêté. C'est après ma bancard de l'année dernière. Puis, les 30 heures, ce n'est pas cette année que ça a été exhibé. Ça a été exhibé depuis l'année dernière. Et pourquoi... Alors, parlant des représentants, l'année passée, vous arrêtez là. Mais tu sais pourquoi on a arrêté là? Pourquoi on a arrêté ça, toi, tu sais? Mais pourquoi les jeunes ont été radiés? Pour avoir refusé, sur les 30 heures, ils ont refusé 2 heures. Ils ont refusé 2 heures. Parce que ça devait commencer par s'appliquer dans un département. Mais vous parlez de 2 jeunes sur 17 000 enseignants. S'il te plaît. Nous allons évoluer. Lorsqu'on n'est pas dans le référentiel. Vous avez dit quelque chose de très important, M. Thierry Dovonou. Vous demandez la discipline du groupe et ensuite qu'on se rabatte sur
les responsables, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a un responsable qui a donné de la voix. J'aimerais, avec votre permission, vous lire un peu un pan de la position de ce responsable. Il dit, je le cite, « Nouvelle trouvaille de la super-intelligence des inventeurs des bureaux conçus de l'enseignement secondaire. Attribuer un quota horaire de 30 heures, vous avez bien lu, 30 heures, aux enseignants aux 1000 noms aspirants, préinsérés, base de compétences, etc. J'ai suivi. Le DAC de l'enseignement secondaire justifiait laborieusement cette énième incongruité de nos autorités. On refuse de leur accorder une quelconque sécurité de l'emploi. On leur dénie l'accès aux primes de rentrée et aux travaux de correction des examens de fin d'année. Mais on est prêt à leur faire porter toute la charge des conséquences de nos actes manqués. Quel pédagogue digne du nom peut donner 30 heures, donc près de 10 classes à prendre en charge par un seul enseignant qui plus est, est aspirant. Je m'en arrête là, signé du secrétaire général de la CSA Bénin, M. Anselme Amoussou. Alors voilà un responsable qui parle. Moi, je ne vais pas commenter ce que le responsable a dit, parce que personne ne prendra 10 classes, on est d'accord. Et c'est le discours que les jeunes veulent. Il leur a adressé le discours. Mais le discours de vérité, Ce responsable n'est pas dans la vérité? Le discours de vérité que moi je tiens, je n'ai jamais dit qu'il n'est pas dans la vérité. Je sais que c'est le discours que les jeunes veulent. Parce qu'ils ne veulent pas. Donc, en ils ne veulent pas. Les responsables même sont divisés sur la question. Ils ne veulent pas qu'on a dans le référentiel des normes pour leur parler. Dans le référentiel des normes, qu'est-ce qui est dit? L'autorité t'envoie, tu fais. Mais nous respectons l'autorité, monsieur Davonou. Ce n'est pas parce que le contrat n'est pas arrivé que vous respectez là. Nous avons commencé les cours. Le contrat. Moi, nous faisons partie des premiers contractuels du Bénin. Nous avons respecté l'autorité. Il faut aller voir l'histoire. Nous avons fait 2 ans pour avoir un petit contrat en 97. On est d'accord. Quand vous connaissez... Et pourtant, on était au poste. Parce qu'on nous a dit, allez au poste. On est d'accord. On a fait 2 ans pour signer un contrat. Mais vous avez et on a même été obligé. Comme c'est nous qui sommes l'autorité. Mettez telle date. On a mis. Vous avez dit qu'il faut finir avec ça. Donc, il ne faut plus faire les choses pardon. À la porte-pièce. Non, il a dit qu'il n'a pas eu contrat en retard de 2 ou 3 mois, et que c'est parce qu'il respecte. Mais je dis quelque chose. Bon, votre dîme adresse à ces anciens. Ceux qui sont en train de prendre les heures aujourd'hui, il ne faut jamais dire que c'est par peur qu'ils sont en train de prendre. Mais c'est ça, c'est par sagesse. Et moi, j'aurais voulu que tout le monde aille prendre et qu'on constate, on fasse le constat du terrain. Et maintenant, on aille vers l'autorité qui a pris la décision. Le RG qui a parlé tout à l'heure a dit beaucoup de bonnes choses. Parce qu'il y en a qui ne sont plus sur le terrain et qui ne savent pas ce qui se passe. Mais ce qui me gêne chez les jeunes, et je vais continuer de le dire, c'est de ne pas entrer dans le référentiel des normes et de dire, si nous prenons, il y aura des gens par terre. Mais ça fait aussi bizarre. Prendre d'abord. Pourquoi lancer l'autorité qui a plusieurs enseignants à sa portée, en laisse certains sur le carreau et donne 30 à... S'il vous plaît, l'autorité... est l'employeur. Merci, monsieur Thierry. C'est lui qui l'employeur reste roi. Donc, en définitive, vous savez à quoi vous en tenez, monsieur le porte-parole de ces aspirants. Oui, pas le porte-parole, mais chargé à la communication. Je voudrais juste, vous me permettez, quelques 30 secondes. Oui, 30 secondes vraiment. Pour m'adresser au chef de l'État qui nous suit. Parce que je porte la voix de plus de 17 000 préinsérés aujourd'hui qui sont dans une situation un peu floue. Je voudrais dire au chef de l'État que nous reconnaissons ses efforts en matière de l'amélioration du système éducatif au Bénin. Et donc, par conséquent, nous les heurtons à vraiment nous aider à sortir de cette situation qui n'est pas bonne pour la situation de l'éducation béninoise. Merci, c'est bien entendu. Monsieur Thierry Dorn, c'est entendu. Non. On a été au-delà de l'heure. Oui. Donc, nous allons devoir conclure comme à queue de poisson. On reviendra sur le plateau avec votre disponibilité. Cher réalisateur, merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Je n'ai pas conclu.